Bonjour à tous, bienvenue sur ce live. Alors aujourd'hui, comment dire, on va faire des punch needles. Je ne sais pas si j'ai bien écrit sur le truc, mais voilà, on va faire ça. Je sais pas trop à quoi ça ressemble. Enfin, je sais pas trop comment on fait ça. C'est vraiment de la découverte hein, pour moi. Voilà. Donc, c'est parti mon kiki, hein, que j'ai envie de dire. Je me mets un petit peu de musique parce que j'entends pas. Voilà. C'est parti mon kiki. J'ai acheté ce truc. Vous voyez, 3 euros. Alors, je sais pas si c'est toujours le même prix, mais il y a un petit moment déjà. J'ai acheté ça dans les magasins Zeman. Zeman, l'homme de la mer, il y a un petit moment. Je vais découvrir avec vous. Hein. J'ai un peu regardé les tutos, mais je vous avoue que je sais pas trop comment on fait. Et puis j'ai envie de découvrir par moi-même. Hein. Donc voilà. Ok. Je pense que il faut passer ça ici. Donc là, il faut regarder la grosseur du fil par rapport à l'aiguille. Je pense que je vais prendre une aiguille un peu plus grosse. Quoique, je sais pas, je vais regarder ça. Hop. Hop. Oh. Quoique, je vais essayer comme ça avec l'aiguille moyenne. On va déjà pas se compliquer la vie. C'est déjà monté, ça m'arrange. Donc voilà, ensuite, ok, je pense, il faut le tenir bien comme ceci, là c'est pour régler en fait la hauteur que l'on veut enfoncer, d'accord, je pense que 2 c'est pas mal, ok, jusque là ça va. Ensuite, il faut passer le fil à l'intérieur. Ok. Donc, je pense que pour ce faire, il faut prendre cet appareil-là. J'en ai 2. Ok. Ah, c'est cool. Alors, je vais faire ça. Ensuite, je pense qu'il faut enlever ça. Oui. Oui. Donc je vous mets ça là. Je pense qu'il faut passer le truc ici. Et je pense qu'il faut ouvrir ça. Ouais. Ok. C'est vraiment hop. Une expérience hors du commun. Alors. Vraiment une drôle d'expérience. Ah, j'arrive pas à ouvrir ce truc là. Oh. Ah, ça y est. Ok. Alors, c'était pas le bon côté, a priori. Voilà. D'accord. Donc, il faut passer ça ici. Hop. Ensuite. Et bonjour à toi qui viens sur ce live. Bienvenue. Je galère. Mais bon, on a l'habitude. Alors, attends. Viens la petite bête. Là, il faut que je passe ça là-dedans. C'est de la grande découverte. Hein. Je vais mettre 3 heures à faire ça. Si j'arrive déjà à passer ça dedans, on aura quand même gagné un bon moment. Et en fait, ils sont collés parce qu'il y avait une espèce de... Voilà, je l'ai enlevé. Et la colle dessus. Mais j'ai envie de dire, c'était collé, mais... si je fais ça... Oh punaise, c'est pas vrai.
Je suis handicapée des mains, mais un truc de ouf, quoi. Ah, voilà, 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 voilà! Et je crois que je vais faire carrément comme ça. Mais donc c'est passé. Hop! Voilà! Je mets le fil à l'intérieur de ça. Et en fait, je vais faire comme ça. Il faut que le fil y ressorte. Alors. Ok, et là il faut que le fil en fait il ressorte par là. Oh. Ok. Si je comprends bien, il faut qu'elle ressorte. Par là. Ou c'est le contraire. Oh, oh non, c'est le contraire. Ce serait trop simple. Évidemment. Évidemment. Évidemment, je vais pas y arriver, hein. Hop. Là, 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 là. Ouh, ça me gonfle. Et on en est à 3 secondes et demie du truc, ça me gonfle déjà. Mais je vous assure que c'est... Je t'assure, petit chat, que... c'est pas facile. Allez. J'aurais peut-être pas dû faire ça, mais bon. Comment je peux faire? Je ne comprends pas. C'est très bête. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Mais comme une idiote, j'ai enlevé le... Oh là là, j'ai compris pourquoi. Ça y est, j'ai compris pourquoi. Comme une idiote, j'ai enlevé le papier qu'il fallait pas faire. J'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Oh, d'accord, ok, j'ai compris. En fait, on passe le fil dedans comme ça. Voilà. Là, on met le fil. Évidemment. Là, on met le fil. Ah non, mais sérieux, je suis nonne des fois. Alors, là, on met le fil comme ça. Oh là 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 là, mais sérieusement. Voilà. Et là, on tire. Oh. Simple, magie. Génie. Mais mon fil est vachement épais. Hein. Bon, tant pis. Voilà. Ah, ah là là, ouf, n'est-ce pas? Ah, je suis une lumière. Je vous assure des fois, je me foutrais des tartes. Donc une fois qu'on a fait ça, ok. Donc là c'est bon. Là il faut faire pareil, mais en venant le chercher ici. Et le passer dans le... Mais alors il faut le passer vers l'extérieur, évidemment. Voilà. Première étape franchie. Mais alors, il faut faire la deuxième. Non mais c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Yes. Ça, on le range. J'ai fait une bêtise, j'ai fait une bêtise. Comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude. Alors, ce truc, au départ, il était droit. Hein. Et maintenant, il est... Je sais pas si vous voyez. Mais alors, au début, il était bien droit. Hein. Il n'y avait pas de problème. Je vais le ranger ici.
Mais je pense que. Ok, j'ai compris. J'ai enlevé le scotch, j'aurais pas dû. Mais bon. Après, faut dire que. Ok. Je sais pas si vous voyez la différence. Utilisé, non utilisé. Voilà. Jusque-là, ça va. Après, ça a l'air facile le reste. Oh, pardon. Donc là, j'ai vu pour la hauteur, tout ça. Alors, je vais faire très simple. Hein. Y a des petits motifs là. Au départ, je voulais faire un truc super compliqué, machin, truc et tout. Hop, je vais baisser un peu la musique. Je vais faire un truc hyper hyper compliqué, hyper truc bidule machin. Non non, on va le faire. On va y aller cool. On va y aller très très cool. Je crois que j'ai mis un quart d'heure déjà juste à mettre le fil. Donc je vais faire la petite fleur là. J'ai mon ordi un peu plus. Je mets la petite pot de fleur ici en fait. Je vais faire ça. Et la musique. J'ai touché la musique. Ah là là. Ouf. Voilà. Donc la petite fleur là, je vais faire. Et peut-être le petit arrosoir. J'avais prévu. Hein. J'avais prévu. Quand même. Donc je pense. Donc on va faire ça comme de la. Avec un tambour à broderie. Hein. Hop. J'ai pris un petit. Hein. Tout petit tambour à broderie. En fait, j'ai une idée derrière la tête. J'ai fait mon pull, j'ai terminé mon pull, machin. J'ai fait les manches qui me plaisent pas, donc il va falloir que je rattrape les manches. Et je me disais pourquoi pas faire un petit de la broderie, du brodage, de la truc dessus. Et pourquoi pas faire ça. Donc on va voir. Donc là j'y vais, je bois un coup. Voilà. Ma petite tisane pour faire pipi. Voilà. Donc je vais faire le petit pot de fleurs. Je vais le dessiner parce que bah hein, on est bien d'accord que déjà que comme ça promet. Donc on va peut-être pas chercher là. C'est pas très très bien tendu ça. Hop, 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 hop. Je vais tendre ça un petit peu mieux. Voilà. Voilà. Il y a un pli. Bon, après, hein, le pli et machin. Hop. Hop. Je vais refermer le tambour. C'est vrai que quand je suis là, vous ne me voyez pas trop, en fait. Je vais peut-être pencher un petit peu plus le truc. Mais j'ai peur de tout déstabiliser en penchant le truc. Ah, mais il a été bien, en fait. Je vais faire ça. Je vais reculer un peu. Non. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. C'est mieux ou c'est pas mieux? C'est pire. Voilà. Alors. Je vais faire le petit dessin là. Hein. Je vous ai dit. Je fais le petit dessin là. J'arrête de vous voyez, je vais te dire tu chat. Parce que t'as l'air tout seul en plus. À venir me voir. C'est cool, hein. Je suis contente hein, que tu sois là. Mais tu pourrais me parler, ça me plairait beaucoup. Ah, ça tombe. Pourquoi j'ai touché? Hein? Voilà. Ouf. Vert. Voilà. Ah mais j'ai plus de musique du tout maintenant. Pourquoi? Oh, c'est dommage. On aimait bien la musique. Je joue la musique. Tu veux plus? Vas-y, joue. Voilà, j'avais mis pause. Voilà, ensuite on va faire une fleur. Je sais pas comment. Une autre. Et on va faire du.
Voilà, comme ça. Et là, on va faire un petit arrosoir. Et oh là, un cœur. Je sais pas si on pourra le faire, le cœur. Voilà. Arrosoir. Voilà. Et puis là, on fera une petite fleur, si on peut. Si on peut, hein. Voilà. Allez. Je pense que le plus simple, c'est le petit pot là. Je vais pas faire les trucs blancs dedans, hein. Du coup, on fait ça. Mais Ok. Le bruit. Ah d'accord. En fait, le truc s'est renforcé. Ah ok, mais il y a des... Donc faut bien bien serrer la vis, hein, parce que... Voilà, c'est bon. Alors le bruit, pas terrible, terrible. Donc là j'y vais. Hop, ok. Jusque-là ça va. J'ai vu qu'il fallait passer le premier fil ici. Je vous dis, j'ai regardé des petits tutos. Donc celui-là déjà, je vais le passer là. Juste pour le départ, hein. Oh, putain, viens là. Oh, pardon, j'ai dit un vilain mot. Pardon, chat. Oh, voilà. Punaise. On y va. Ensuite. Alors. Ok. 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 En fait, c'est facile. De là, est-ce que je fais comme ça ou est-ce que... Ouais, je vais faire comme ça. Je pense, hein. Tac. Je pense qu'il faut vraiment garder l'ouverture là en fait. Ok. Et bah, on dirait une gouge, hein, on va dire que c'est une gouge. Ok. Ok. Est-ce que ça marche? Là, c'est pas terrible. Voilà! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh ben voilà, on peut recommencer. Pas du tout tirer dessus par contre. Hein. Ah ouais, fou. Ça va pas me, ça va me contrarier ça. 1, 2, 3. Ah ça marche pas. Pourquoi? Est-ce que je suis trop... Ça marchait bien. Pourquoi le premier? Et alors? Pourquoi? Est-ce que j'ai fait une erreur? Non, je pense pas avoir fait une erreur. Deux. Ah ouais, non. Le problème, c'est que... Ah, je sais pourquoi. Je pense qu'il n'est pas assez long de l'autre côté. Du coup, ça foire un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre un peu plus long de l'autre côté. J'ai fait vraiment une toute petite... Et je pense qu'il faut vraiment y aller de l'autre côté, en fait. On va carrément faire 6. Allez, on y va. Soyons fous. Où est-ce que je veux dire? Hop. Donc là, j'y vais. Je vais de l'autre côté.
Je vais chercher carrément mon fil là. Je vais mettre de ce côté. Ok. On est bon. Là, on est bon. Et là, j'y vais. Je tire. Voilà. Je vais faire des grands 1 2 Je viens là. Hop. Oh là. Oh, je me sens pas terriblement. Je me sens empêtrée en fait avec ce truc. En fait, c'est pas facile du tout à faire. Ah, mais il a bougé. Oh là là. Mais catastrophe! C'est dur. C'est très dur. On a l'impression que c'est facile comme ça. Mais il y a quelque chose que j'ai dû rater. Franchement, c'est pas évident à faire. Peut-être j'aurais dû être moins ambitieuse et faire des choses un peu plus... Voilà. Parce qu'en fait, de l'autre côté, c'est moche. Pourquoi? Est-ce que c'est une histoire de tissu? Est-ce que c'est une histoire de fil? Ouais, parce que là, en fait, il n'y a rien qui fonctionne. Alors. Non, parce que mon fil, il... Ah. Mon fil, il est un peu... Je vais essayer un fil plus fin. Je vais essayer un fil plus fin. On va voir. J'ai un espèce de jaune là. Hop, on s'en fout. Ah, par contre... Maintenant que je sais comment on fait. Donc, on passe par là. Hop. Viens petit, viens. Il veut plus sortir. Bah alors, voilà. On passe le fil dedans. Ah oui, il est beaucoup plus fin, ça va aller mieux. Ça va aller mieux, c'est le fil. Hop. Je suis sûre que c'est le fil. Aïe, aïe, aïe. Mais moi, si j'ai pas des nœuds et tout de sécurité, je suis perdue. Hein. Ça va, ouais, bref. Oh oui, allez. C'est le fil, on va dire que c'est le fil, d'accord? Allez, hop. Alors là, il y a un nœud. Hop. Je vais faire la fleur là-haut. Oh, mais c'est pas assez tendu ça, c'est pas assez tendu. Je pense que faut vraiment tendre à mort le truc là. Et elle là, je vais la visser, mais comme jamais. Oh, voilà. Ça a l'air un petit peu plus tendu, quoique. Mais je me bats pour tester les trucs. Ah. Alors, là, il a l'air beaucoup plus souple dessus le fil. Du coup, bah, ça sera un pot de fleurs jaunes, hein. C'est pas grave. Tac. Donc, on va recommencer. Je vais le passer parce qu'en fait, j'ai vraiment vu ça. Bon, au pire, on le passera plus tard. Donc là, il faut bien rester comme ça. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Donc là, J'ai déjà tout faux. On va passer là. Hein.
Ok. Donc là, on fait ça. Ensuite, on fait ça. Ensuite, tac, tac. Je tourne. Et il faut être hyper précis, en fait. Il ne faut pas sortir tant que tu sais pas où tu veux aller. Vous êtes tombé? Oh. Bonjour. Une chute vertigineuse. C'est pas grave. Tant que tu sais pas où tu veux aller, en fait, faut pas sortir du truc. Sinon, bah voilà, ça fait ça. Non, mais là, je suis pas douée du tout, hein. Mais pas du tout. Je me sens gauche. Alors. Est-ce que... Il n'y a pas moyen de... Ah, piquer dans le fil, peut-être. Non. Ah, je me sens hyper gauche, mais hyper gauche. Là, j'ai foiré mon truc, on est bien là. Ah, mais sinon, ça coupe le fil ici, on fait ça. Il faut absolument pas piquer dedans, parce que ça le coupe. On est d'accord. Il faut vraiment, à côté, accompagner le fil... Ah non, mais je me sens pas du tout à l'aise, hein. C'est rare que je me sens pas à l'aise comme ça. Ça a l'air très dur, hein. Il y en a qui font des tapis entiers comme ça, donc bravo, force à eux. Je ne sais pas. Alors moi, j'ai défoncé mon fil, là. Mais hop, je vais me piquer là. Je triche, hein, vous avez vu. Je triche parce que... Ok. C'est hyper dur. C'est vraiment très compliqué, hein. Franchement. Non, mais non, mais non. En plus, si on tire dessus, mais non. Regarde, mais mon fil se barre comme ça. Mais pourquoi? Oh là, j'ai coupé celui-là. Bon, on va dire que déjà, ça venait tout à l'heure de la grosseur du fil. Ok. Maintenant qu'il y a des trous partout, je pense que ça va... Oh là là, c'est dur ce truc. Bon, allez, je repars. Aïe. Je me suis piqué le doigt derrière. Là, je pense que c'est bon, là. Non. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Ami virtuel de ma tête, est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. Non, ça va pas. Non, c'est pas mieux. C'est pire. Mon Dieu, mais quelle horreur. C'est très moche. C'est très très moche. Mais pourquoi? Bon, en fait, je vais faire une forme, hein. Je vais faire un... Je vais faire... Je vais faire là, je vais faire un cœur. Comme ça, de ce côté-là, pour voir. Parce que je sais aussi qu'on peut le faire en... Ouais, on va faire ça. On va faire un gros truc comme ça. Mais non, parce qu'en fait, il est beau de ce côté-là. Voilà. On est d'accord? On est d'accord. Allez, c'est parti. Oh là là, mais non, mais... il va me falloir des kilomètres et des kilomètres de fil. Hein. Allez, hop, c'est parti. Peut-être que je fais pas des assez grands trucs.
Et lui qui tombe tout le temps. Ah, je vais mettre comme. Mais pourquoi tu tombes, toi? Tu tombais pas tout à l'heure? Oh là là. Donc, il m'a coupé dans mon élan, là. Eh, mais c'est dur, hein? Franchement. J'aimerais vous dire que c'est facile et tout. Ça a l'air trop simple quand on voit les meufs faire ça. Moi, je me disais, cool, je vais broder comme ça a l'air facile. Je peux pas me prendre la tête. Ouais, bah, finalement, je sais pas si je vais broder comme ça. Parce qu'en plus, voilà quoi. Mais ça va se barrer de l'autre côté, on est bien d'accord. Je comprends pas trop le délire. En fait, je comprends pas. Comment on peut faire pour pas que ça se barre de l'autre côté? Je vais repasser à côté. Voilà, ça s'est barré, c'est bien ce que je dis. Si on tire trop, ça se barre. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Faut vraiment y aller avec une délicatesse. Je pense avoir compris un truc. Je ne sais pas. Faut vraiment y aller avec une délicatesse de danseuse étoile, hein. Je veux dire. Oh, ça y est. D'accord. Ok. 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 Je pense que ça, le dernier round là, est pas trop 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 mal. Ah, mais. Mais. Du coup, on est bien d'accord que là, il faut prendre ici. 1 sur 2. En fait, il faut absolument pas toucher le fil avec le bout de l'aiguille parce que sinon on le coupe. Alors, je sais pas si c'est normal. Ou si c'est moi qui l'ai mal fait, mais je pense vraiment que si on touche le fil avec le bout de l'aiguille, on le coupe. Ah, là j'ai un peu trop tiré. Est-ce que ça vient? Oui, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Est-ce que ça serait pas. Crash test, hein, vraiment alors? Non! Là, il a. Ah! Comment on fait? Ah, voilà. En fait, il faut vraiment comprendre dans quel sens vient le fil, dans quel sens on veut le mettre. Ah. Dans quel sens on va aussi. Il faut vraiment. Ouf. Mais ça fait ça en fait. Cool. Alors, je sais pas si c'est déstressant ou stressant. Pour l'instant, moi, ça me stresse. Ah non, mais là, en fait, c'est pas bon. Il faut toujours. Ouais, ok, j'ai compris. J'ai voulu tester un truc, mais non. En fait, c'est pas bon du tout, même. Il faut toujours que ton fil, il vienne là, en fait. Ok. Il faut toujours que ta gouge, elle soit vraiment de ton côté et le côté ouvert. Là. Et oh, tu me cherches là, hein? Explique-moi pourquoi on a bien fait tout ça et de là tu me fais un caca là. Allez, on y va ma grande. Vas-y. Ouais, là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon. 1 sur 2. Ok. 1 sur 2. Ok. 1 sur 2. Ok. Ok. Eh ben non, toujours pas ok. Et pourquoi?
C'est compliqué, hein? Oh là là! Franchement, il me gonfle, hein. Mais on a quand même réussi à faire un bout de. On est loin des petites noodles, machin, truc à tondre, hein. Je vais essayer de le ragrandir un peu. Et puis on verra si ça. Suis à 6, je vais passer à 8. Voilà. Et voilà. Hop, tout doucement. Donc là, on va y aller, hein. Je vais passer ici. Tac. Peut-être mon fil aussi, il est un peu pourri, hein. En fait, je crois qu'il faut piquer. Il faut faire hop. Il faut aller là. Hop. Le geste est comme ça, en fait. Faut piquer, faut décaler un peu et revenir. Ah oui, ça marche mieux. Alors, on y va. Donc, on pique. On sort. On vient là, à côté, et on fait ça. Hop. Non, mais je vais y arriver, hein. Je suis têtue, hein. S'il faut que je regarde 25 000 tutos, je les regarderai, hein. En fait, dès le départ, il faut vraiment faire le bon truc, sinon. Par contre, faut toujours rester hop, dans le sens de la marche. Hein. C'est vraiment, vraiment. Et ouais, sinon on coupe. Je défonce mon fil là. Le pauvre. Oh là là. Et oh, mais faut jamais tirer parce que si on tire dessus, il y a tout qui s'est fait. Oh là 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 là! Et mon fil, il est en piteux état. Heureusement que c'est un fil que. Voilà. Pouh! Alors. Essai numéro 70. Non. Si, j'ai fait. Il faut aller rechercher. Ah! Je vais prendre un truc plus grand parce que là. C'est bon. C'est bon. Non, j'ai pas plus grand. Non, ça va pas aller. Donc, je t'explique, chat. J'ai fait plein, plein. J'ai regardé plein de tutos sur ce truc. Et les meufs, elles étaient à tapalavant. Elles s'éclataient. Il y a des mecs et tout. Je me suis dit, waouh, c'est un truc. Il y a des meufs, il y a des mecs qui font ça, donc ça doit être cool. Là, je suis en train de chercher le fil idéal. Le fil idéal, je l'ai trouvé. C'est celui-là. Je vais faire un gros cœur rose. Parce que je n'abandonne jamais. Et je me suis dit, waouh, ouais, ça a l'air super cool, je vais faire ça. Et l'appareil est sympa, et blabla, et blabla. Ouais, c'est ça. Et c'est cool, mais non, c'est pas cool en fait. Donc là, je refais ça encore une fois avec l'aiguille tout tordue. Voilà. Lui, je le mets à l'intérieur. Lui, il est entre les deux, normalement. Lui, il sort par là. Hop. Voilà. Impeccable. Jusque-là, on est ok. Je crois que j'ai fait. Je crois savoir ce que j'ai fait avec le rose, le jaune. Je l'ai pas mis dans la. Ah, mais oui! Oh là là, mais que je suis bête! Je l'ai pas mis dans le. Je l'ai pas passé par le petit trou là. Du coup, il est en freestyle. Ah, mais voilà pourquoi!
Bon, écoutez, ben voilà, toutes mes erreurs, vous ne les ferez pas. J'ai pas fait ça. Du coup, mon fil, il se baladait partout. Oh! Bon, c'est pas grave. Toutes mes erreurs, vous les ferez plus. Il faut bien le mettre dans le petit trou, voilà. J'ai oublié ça, de le passer là. Je sais pas parce que j'étais là, donc. Hey, mais c'est quoi ce truc là qui tient pas aujourd'hui? Ouh, hey! Voilà. Hop. Dans le petit trou qui est là. Parce qu'en fait, je coupais mon fil, je comprenais rien. Je me disais, mais pourquoi je coupe mon fil? Mais pourquoi? Mais ça y est, j'ai compris. Oh, punaise. Ah, oh, mais oui. Tout s'éclaire. Allez. Mais oui, ça y est, je sais où je vais. Je vais là. Est-ce que tu vois là? Du coup. Ah, mais carrément! Je me disais aussi quand même, je suis pas douée, mais entre pas douée et handicapée à ce point-là, avec ça, c'est pas possible, quoi. J'avais vraiment un problème, hein. Par contre, faut y aller, hein, faut piquer, hein. Ah, mais oui, et puis ça se défait beaucoup moins, on est d'accord. Ah, c'est trop bien, en fait. Bon, j'en suis pas encore à faire des œuvres d'art, trucs, là. Mais quand même. Mais quand même. Là là, beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Alors, par contre... Oui. Alors par contre là, hop. Et là. Ok. Par contre, mon tambour ne va pas du tout, hein. On est bien d'accord que mon tambour, il ne serre pas assez le tissu pour... Je suis obligée de le tenir derrière, je le tiens entre mes doigts derrière. D'accord? En fait. Ah mais là je destroy plus mon fil et tout, on est bien. Oh là là, là j'ai foiré là. On est d'accord. Faut vraiment aller doucement. Voilà. Ok. Ok. Ok, non. Non, non, pas ok, en fait. Pourquoi j'ai foiré là? Mais pourquoi il y a toujours une partie qui va très bien? Et quand on arrive là, je vais mettre à côté. Hein. Je pense que les trous ont été... voilà. Ça n'aide pas. Voilà. Oh là 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 là! Bon. Bilan. Pour l'instant, j'ai fait toute une jolie partie. On est d'accord. Deuxième partie est un peu plus laborieuse. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être je vais aller trop vite. Voilà. Alors, la deuxième partie. Oh. Je pense que vraiment, il faut bien bien le mettre devant. Voilà. En avant. Ça va. Et non, là, ça va pas. Là, ça va pas. Bon, après, c'est bien parce qu'on peut quand même récupérer. Ça, c'est cool. Ah, c'est bien. Mais ça doit bouffer un fil, ce truc, du coup. Je sais pas, hein, c'est vraiment une question que je me pose. Par contre, je sais pas si ça va pas plus vite à la main. Si on veut vraiment faire une broderie... Je crois que je vais plus vite à la main. Sincèrement.
que c'est à chaque fois faut reprendre. Quand on saute une étape là. Oui, je pense qu'à la main, je vais beaucoup plus vite. Je sais pas. Allez. Allez, on va se mettre là. Voilà. 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 Après, je me demande si c'est... c'est pas plus judicieux d'aller plus vite. Et non, 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 c'est pas plus judicieux d'aller plus vite. Oh non, ça a tout... mais pourquoi? Il faut aller plus vite. Il faut aller plus vite. Mais il faut vraiment rester serré en fait. Non, 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 non. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Tout se passait très bien, on est d'accord? Je triche, hein, je tiens les boucles derrière. Je triche à mort. Je crois savoir. Je tiens les boucles. Ouais. Ça y est. Hop. Je tiens, je les tiens. Je tiens les boucles et... De toute façon, tant que j'aurais pas pris le super pli machin, je tiendrai. Là, dans ce sens-là, je vais bien. Alors, pourquoi dans l'autre sens, ça va pas? M'expliquer? Tu m'expliques? J'en sais rien. Dans ce sens-là, je vais super bien. Voilà. J'ai pas trop de problèmes, c'est assez régulier, tout ça, tout ça. Mais alors, dans l'autre sens, quelle galère! J'en suis pas encore à faire le truc. Ah là, ça merde. Ça a foiré! Ça a foiré! Et alors, ouf, et oh là là. Ah, la vidéo. La vidéo aussi, elle a foiré. Ma cam qui a... J'ai ma cam qui... Voilà, ça va. Elle était un peu partie. Désolée. On est d'accord que ça va mieux. Je suis désolée pour cet incident. Mais on est d'accord que ça va un peu mieux quand même. Ah, c'est pas stable du tout. Hein. Mais alors, pas du tout. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà. On va reprendre l'essai noodle. Hein. Donc en fait, je triche. Je vous montre un truc. Je plante là. Ok. Je fais ça. Et là, je viens chercher là. Je viens tenir la boucle. Je
Je vais me planter les doigts si je continue à faire ça. Mais bon. Pour l'instant, c'est ma méthode. Ok. Là, il y a un petit fil qui dépasse, mais on s'en fout. Et je pense que par rapport à la pelote... Oh, mais ça rame aujourd'hui. Par rapport à la pelote, il faut bien que le fil soit... comme on dit, détaché. Là, hop. Ok. Là, j'y vais. C'est pas évident à faire ce truc. Hein. Vraiment pas. Faut vraiment pas trembler. Puis là, j'essaie de faire... en quinconce. C'est comme ça qu'on dit. Oui. Donc, c'est pas évident parce que là, j'ai vraiment fait des petits trucs. Du coup... Quand on ressort, faut aller tout doucement. Ouais. Ouais, c'est pas évident. Mais je pense que au départ, il faut vraiment faire derrière des grosses bouclettes. Et des tout petits points là. Parce que je me rends compte que quand on fait des petits points et des grosses bouclettes, des grandes bouclettes derrière, on s'en sort mieux. C'est vraiment la sortie là, c'est... Bon allez, là c'est mon angoisse. On va venir là. Voilà. Et mais je crois qu'il y a des pistolets automatiques pour faire ça. Je comprends pourquoi. Hein. Parce que vraiment, c'est très long à faire en fait. Ou alors c'est moi qui ai vraiment pas du tout le... Ou alors je suis nulle. Hein. Ce qui est pas du tout impossible. Hein. Là, les virages à prendre, c'est serré, hein. Mais on y arrive. On y arrive. Là, j'ai fait des grands. Et je pense que c'est ça qui m'a induit en erreur. C'est parce que j'ai voulu faire des grands points, alors que de l'autre côté, j'ai vraiment fait des petits points. Là, j'ai fait un grand point. Petit point. Petit point. De l'autre côté, ça fait des grandes bouclettes comme ça. Si, ça va. Ça va. Je suis assez contente de moi. À part là. Mais je vais rattraper ça. Je vais rattraper ça. Promis. Ah non, 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 là c'est pas beau. Oui, c'est ça. C'est le fil. Il faut vraiment que le fil du côté pelote il soit leste. Et quand on retire là, oh là là.
faut vraiment y aller tout doucement parce que là j'ai trop tiré en fait et j'ai senti que la boucle derrière s'était défaite. Voilà, donc là on va la refaire, c'est pas grave. Voilà, la lièvre. Je pense que si on donne des à-coups aussi, on défait le. Voilà. Là, on sent que c'est épais parce que j'ai fait beaucoup de petits points. Ce que j'ai pas fait de l'autre côté d'ailleurs. Et là, je vais reprendre après. Là, c'est pas mal, hein. Je suis vraiment assez fière là. C'est pas très très régulier, mais c'est pas mal. Bon, je triche toujours, hein. Je tiens toujours mon fil derrière. Je pense que ça. On est parti pour ça. J'ai peur de me planter les doigts, mais bon. Voilà. 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 C'est là où j'ai un petit peu, je sais pas, bizarroïde. Petit côté un peu. J'ai pas trop fait. Je sais pas pourquoi. Du coup, je vais en rajouter un peu. Oh! Je sens que ça tire, ouais. Vraiment, c'est là. Je sens bien. C'est vraiment un problème de tension entre la pelote et l'aiguille. Voilà. J'ai compris ça. J'ai déjà compris ça. En fait, c'est vraiment un problème entre la pelote et l'aiguille. Il y a un problème de tension entre les deux. Il faut vraiment arriver à gérer ça. Une fois qu'on a géré le problème entre les deux, ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt pas mal. Donc, si yes. Mais je vais encore tricher, hein. Je vais tenir les boucles, hein. Tant que je suis pas hyper hyper. J'aimerais au moins faire ce petit cœur là. Et en fait, c'est franchement, c'est pas simple, hein. Quand on voit les démos et tout, on a l'impression que ça va très vite et que c'est super simple. Franchement, c'est pas simple. Je vous le dis franchement, c'est pas simple du tout. C'est faut piquer, faut y aller. Et une broderie à la main, je pense que vraiment, hein, une broderie à la main, c'est plus simple. Je pense, hein. Oh, punaise. J'ai encore foutu un coup à la table. Je suis désolée, j'enifle, mais ça, c'est les allergies. Hop. Là là. Là, ça a foiré, là. Tu vois, chat, comme ça foire. Quand ça foire, il faut revenir en arrière. Bon, et déjà, c'est mieux que. Hein? Vous remettez le début.
Oh non, mais non, ça y est, je suis reparti pour une galère. Pourquoi? Ah mais carrément, je suis allée, allez hop. Je suis sûre que les meufs qui arrivent du premier coup, elles font comme moi, elles tiennent les petites boucles derrière. C'est obligé. Tu vois? Je mets mon doigt là, je tiens la petite boucle. Après, je plante ici. Je sais pas pourquoi ça veut pas, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je reviens, je tiens la petite boucle que je viens de faire. Ah, c'est ma pelote encore. Tu vois? Hop. Et je repars. Là. Et je remonte. Et je repars. Et je remonte. Et je repars. Et je remonte. Et je repars. Etc. Etc. Je ne sais pas si c'est apaisant. Je ne sais pas si c'est stressant. Je ne sais pas si je ferai ça tout le temps. Je viens là parce que, hop, là, il n'y a pas de... Il y avait un... Je ne sais pas si je prendrais pas finalement une aiguille plutôt avec du fil. Je suis encore... Je suis encore dans la... dans le questionnement, en fait. Là, vraiment. Je suis dans le questionnement de me dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Dans un sens, oui. Que si on maîtrise, ou que peut-être mon aiguille aussi. Franchement, une aiguille à 3 euros, je sais pas si ça... Je sais pas vraiment ce que ça vaut, quoi. Je veux dire, une aiguille à 3 euros, bon, ok. J'ai pas pris un gros risque non plus. Je voulais pas mettre. Voilà. Est-ce que l'aiguille est bien? Est-ce qu'elle. Voilà, est-ce qu'elle fait son. Moi, je pense qu'elle fait son job, hein. On lui demande juste de. De guider un fil. Après, est-ce que. Une aiguille chère, ça va changer quelque chose? Je pense pas. Je pense que la dextérité. La dextérité et la recette. Sincèrement, je peux, voilà. Je pense que ouais, non mais il va être sympa ce cœur, hein, franchement. Il va être sympa. Mais ça tourne. Ouais, je pense que la dextérité, elle, bon après, il faut, elle va venir avec le temps, hein, ça c'est certain. Est-ce que c'est apaisant? Mais je ne sais pas, hein, vraiment. Pour l'instant, je me pose la question, est-ce que ça me calme ou est-ce que ça m'énerve? Pour l'instant, je suis entre les deux. Je suis entre le... Quand je suis contente, parce que quand... Il y a le côté apaisant quand j'ai fait une rangée qui est à peu près, voilà, comme là. Une jolie rangée, là. Je suis trop, trop satisfaite. Je suis apaisée, je suis tranquille, je suis sereine. Mais quand je foire des trucs, ça m'énerve un peu vite, alors. Je ne sais pas. Est-ce que je vais m'y acharner? Oui, un petit peu quand même. Parce que vraiment, j'ai envie de finir ce truc-là. Et j'ai envie de vous le montrer tout beau, tout fini sur...
de l'en coller et j'ai envie de le tondre de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui. J'ai envie Est-ce que je ferai un tapis avec une plus grosse laine? Oui. Pourquoi pas? Je suis en train de me dire, mais le travail quoi. Le travail qu'il faut pour arriver à faire un tapis quoi. Oh! Incroyable. Après, je sais qu'il y a des machines automatiques. Hein. Je suis pas folle, hein. Voilà. Je sais qu'il y a des machines automatiques hein, qui font ça. Mais pour faire un tapis, waouh. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui mettent de l'importance en fait au fait de faire ça et que ici ça soit régulier de ce côté. On n'en est pas là. On va accorder de l'importance au fait de. On va accorder de l'importance au fait de pouvoir raser l'autre côté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais. C'est super dur, vraiment. L'avantage, c'est plus que plus t'avances, plus le. Plus tu resserres les bords, en fait, du coup, plus vite tu vas. Plus vite tu vas. Plus tu persévères, plus vite tu vas. Bon, après, j'avoue qu'aussi là, je commence à avoir un petit peu la confiance. Du coup, c'est assez cool. Mais je tiens toujours les trucs derrière. Si je les tiens pas. On va faire ça. Voilà, si je les tiens pas, là, il y a un cafouillage. Hein. Mais bon. Cafouillage, il y aura. Hop. Là, je vais me redresser. Ok. 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 Ok.
Ah mais là ça commence à aller bien. Mais elle est même très bien. Ah, c'est cool. Ça y est, je commence à vraiment prendre la confiance là. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien. Mais au moment où je dis ça, j'ai tout foiré. Mais là, j'ai vraiment pris la confiance. Ah, ben voilà, j'aurais pas dû le dire. Non, non, mais si, ça va le faire, ça va le faire. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ça l'a fait. En fait aussi, j'ai remarqué, si c'est trop dur à percer, les points ils sautent. Faut que ça aille bien. En fait, voilà, c'est ça. Si c'est vraiment trop dur. Ah, puis là, vraiment, mon fil était tendu. Dès que le fil est tendu au niveau de la pelote, c'est mort. Ok? Et dès qu'en fait, si là, c'est vraiment dur à percer, je me suis rendu compte ouais, que les points sautaient. Là, ça va bien, donc les points ne sautent pas. C'est hyper. C'est vraiment une question de tension de fil. Je pense avoir compris vraiment tous les trucs. Il faut vraiment que le fil, donc, du coup, soit. Assez comment on dit souple d'un côté de l'autre, faut que tout soit bien bien en fait, faut que tout soit bien souple quoi. Voilà, dès qu'on a un peu de mal à percer, hop, on va Dès qu'on a un peu de mal à percer dans la trame là en bas, on va forcément au devant des ennuis. Voilà. Et en fait, ouais, non, non, ça va bien. Ça va bien, là, je suis assez contente. J'ai bien pris la confiance, hein. Je tiens beaucoup moins les. Je tiens beaucoup, 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 beaucoup moins les petites boucles derrière. Mais vraiment moins. Je suis assez contente d'ailleurs pour ça. Et ça va bien. Oh là là, je pensais pas arriver à ça. Oh si, c'est trop bien. Oh, quel bonheur là. Oh, là, je me régale. Là, c'est tout. Là, franchement, c'est cool. C'est franchement bien. Là, je fais ça. Même que je vous dis, j'ai pris la confiance. Je rattrape même mes erreurs des tours d'avant. Oh là là, quel pied. En plus, c'est cool parce que j'ai commencé à arriver à toucher les bords. Ah ouais, non, 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 franchement. Oh là, c'est trop, trop sympa. Là, je vais carrément venir là pour faire une boucle. En fait, ça y est, j'ai compris. Faut vraiment que le fil de la pelote soit hyper détendu. Et là, vraiment, celui-là, qu'il soit très, 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 très souple. Faut pas le tenir. Au début, je le tenais avec le truc comme ça, là. Il faut pas. Faut vraiment qu'il soit hyper souple. Et là, faut vraiment, pareil, être souple, souple sur le geste. Et quand on sent que ça coince un petit peu comme là, eh ben pas hésiter à piquer ailleurs en fait. Comme là, j'ai remonté pas mal de. Voilà. Là, ok. Là, on repart. On repart. On repart. On repart.
Voilà, c'est vraiment du bonheur, hein. Je vous avoue que par rapport à tout à l'heure. Ah ouais, là c'est vraiment du bonheur. Par rapport au début, et là en fait je vais carrément reprendre les. Je vais pas dessus là. On s'en fout en fait. Hein. Après on improvise. Hein. Mais là, oh, là je m'éclate, hein. Franchement. Bon, c'est pas grave, je vais faire un aller-retour. Hein. Allez, vas-y. Vas-y, ma cocotte. Voilà. Voilà. On va ressortir par là. Ok. Ok. Ok, là je pense que je vais faire un grand écart. Parce que là j'en ai pas beaucoup. Je vais carrément y aller, c'est pas grave. Hop, j'y arrive pas. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Je vais revenir là. Voilà. C'est pas très grave. Ok. 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 Et ben, je vais faire comme ça. Je vais carrément faire un petit nœud. Parce qu'en fait, je vous explique après. Là, je vais en coller tout le reste. Oh là là, pas trop touché. Je vais en coller l'arrière. Et puis après, on va raser l'avant. Et j'ai mon petit cœur. Franchement, c'est le premier, hein. Donc indulgence, indulgence, mais franchement, je suis assez fière là. Bon, la colle, elle met plusieurs heures à hein, sécher. On est bien d'accord. Oh, je suis trop contente. J'ai envie de couper, mais je suis trop pressée. Après, je vais faire des bêtises. Je reviens, je vais sécher ça au sèche-cheveux. J'arrive. Je crois que je vais les sécher au sèche-cheveux. J'arrive. Yo, me revoilà. Ah. Me revoilà. Ça y est. Alors. C'est pas hyper hyper sec, mais c'est sec, donc je peux y aller. Je vais couper les petites bouclettes. C'est le côté plus cool que je préfère là. Pas trop, hein, parce qu'après, à peu près tout au même niveau là. Petite bouclette là, tac. Du côté. Le petit côté tout doux. Là, c'est le côté hyper hyper satisfaisant, je pense. Qu'on fait. Hop. Normalement, faut le faire à la tondeuse aussi, hein, je pense. Qu'on peut le faire à la tondeuse. Oh là là. Faut que je me dépêche, hein, parce qu'après, je vais au collège. Mais du coup, ouais, après le matin, je vais au collège. Du coup, c'est sympa parce que je peux quand même tailler un peu les. Là où je trouve qu'il y a eu des ratés.
Mais sinon, on est d'accord pour dire que c'est chouette. On s'en est bien sorti. Et pour un premier, franchement, je suis assez contente. Pour une première fois, je suis vraiment. Alors, hop, je vais vous mettre le truc comme ça. Ah là! Là, voilà. Franchement, je suis assez contente. Faut vraiment que j'arrive à le. Mais ça, plus le. Ah non, non, franchement, c'est trop, trop sympa. J'aime bien. Hein. Ça fait vraiment un relief. Ça fait vraiment un relief. Je sais pas ce que vous en pensez, ce que t'en penses, chat, mais toi, la personne qui reste avec moi à chaque fois, qui ne dit rien, qu'en penses-tu? Je vais franchement là, je vais terminer parce qu'il faut que j'aille bosser. Je vais essayer de le mettre sur Insta. C'est dommage parce que j'ai fait un côté un peu plus gros que l'autre. Après, je pense que je peux rattraper ça. Mais là, bah, j'ai collé derrière. J'ai collé, mais je sais pas si. Voilà. Je vais peut-être mieux coller ça. Mais voilà, j'ai bien collé. Et je sais, c'est la colle Action pour tissu. Et sincèrement, je sais que cette colle, elle est géniale. Là, je remets ça parce que voilà. Je sais que cette colle, elle est géniale parce que j'ai collé pas mal de choses qui sont passées en machine. Et à chaque fois. Et à chaque fois, c'était top, quoi. Donc. Franchement, je vais nettoyer ça là. Non, mais sincèrement, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est mon premier, c'est ma première fois. Voilà. C'est rigolo. Je suis assez contente de moi. Voilà. Bon, alors. Est-ce que je vous mets le petit la petite transition? Voilà. Bon, écoutez. Moi, je trouve que on s'en est pas trop mal sorti pour une première. Ah, vous avez le truc là. Hop, là, je peux l'enlever cette fois. On s'en est pas trop mal sorti pour une première. Je pense que je referai, sincèrement, j'en referai, mais avec d'autres modèles. Il y a des petits renards et tout. Et pourquoi pas faire une tête de renard ou je sais pas quoi. Mais je suis assez contente. C'est doux, c'est assez doux. J'ai une grosse laine que je ne sais, dont je ne sais pas quoi faire. Ben, peut-être que je vais faire quelque chose avec. C'est clair que faire les petits arrosoirs comme j'avais vu au départ, c'était hyper ambitieux. Hein. Enfin, voilà. Il faut faire un gros modèle avant et puis après, voilà quoi. Bon, ben, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais vous mettre la petite musique de fin pour vous dire au revoir. Faut que j'aille bosser. Donc bon bah voilà, hein, on va pas. Je vais vous mettre la petite musique de fin. Aïe, j'ai les doigts collés, hein. J'ai les doigts collés. J'espère que ben toi qui as passé ce moment avec moi sans me parler, mais bon, comme d'habitude, j'espère que tu as pris du plaisir. Moi je vais couper. Je vous mets la vidéo sur YouTube pour ceux
qui étaient avec moi ici, enfin voilà. Je dis aux personnes de YouTube ciao et à bientôt.